Et depuis ce jour, les murs de l'Yeshiva sont penchés. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Réponse, il en a à faire. Prier avec Havana, avoir des bonnes midotes. Un sage d'Israël, un érudit en Torah. C'est la chose la plus haute qu'il puisse y avoir dans la réalité humaine possible et imaginable. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jackie Yitzhak Ben Solika Dahan, de Ron Bacha de Mémoire Béni. La question de Ethan. Tu poses la question, pourquoi est-ce que les anges n'étaient pas d'accord lorsque Moïse est monté au Mont Sinaï, et, donc au ciel, et prendre la Torah? Les anges n'étaient pas d'accord, ils ont voulu le détruire. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Les anges vont être d'accord, les anges veulent la gloire de Dieu, qu'on ait un peuple dans le monde qui va dévoiler la présence de Dieu, pratiquer les lois de la Torah, il n'y a aucun problème. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Les anges, c'est à peu près le même discours qu'ils ont eu aussi avant la création du monde. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, ils ont dit, en yiddish, on dit Gewalt, attention, halt, d'accord, danger. Pourquoi? Ils n'ont pas pu accepter que Dieu, il est tout-puissant, décide de tout. Il n'y a pas un milligramme de millier, un plancton dans la mer qui fait un petit blic-blic avec sa neurone, d'accord, que ce n'est pas décidé par Dieu. Tout dans l'univers est décidé par Dieu de A à Z, total. Celui qui ne croit pas cela, alors il va contre ce que dit la Torah. Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Un, ça veut dire il englobe tout, c'est le dirigeant de tout, partout, partout. Ok. Dieu décide de créer un être qui aura un libre arbitre. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. L'être humain. Dans les choses naturelles. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, quelqu'un va au bistrot et il a le choix de boire du jus d'orange ou une bière. D'accord? On va dire qu'il n'y a aucun impact de l'halakha, de la Torah là-dedans. Le jus d'orange, il est cachère, la bière aussi, le même prix. D'accord? Pourquoi il choisit l'un plutôt que l'autre? S'il a envie. D'où provient son envie? Sa nature. D'où provient sa nature? De Dieu. Donc qui a choisi la bière ou le jus d'orange? Dieu. D'accord? Et aujourd'hui, 99,9999% de la population dit « j'aime ça, etc. » C'est pas toi. C'est pas toi. Laisse. C'est rien. On t'a donné ça, tu réagis, d'accord? C'est pas toi. C'est quand toi, c'est quand tu as une pulsion animale que Dieu t'a donnée d'aimer jus d'orange, mais il n'est pas cachère ce jus d'orange, d'accord? Et toi, Dieu dit, et là, tu as le choix. Oui, non, non, c'est un bon air cher, mais bon, pas génial, quoi. D'accord? On voit ça où dans les avions, d'accord? Quelqu'un, il mange super cachère, là, il prend l'avion, et puis il a oublié de commander un plat cachère, ou bien c'est un cachère, il y a un super cachère du badass, c'est un cachère de, je ne vais pas d'autres noms, d'accord, qu'on donne pour dans les avions d'El Al, mais c'est pas trop cachère non plus. Oui, non. T'as faim quand même, peut-être que oui, qu'est-ce qu'on peut y avoir un jus d'orange, qu'est-ce qu'on peut y avoir de mal là-dedans? Il y a beaucoup de choses, d'accord, dans un jus d'orange. Alors, dès lors, maintenant, tu as ici, tu as deux conduites possibles. Une qui est naturelle, une qui est surnaturelle. Ça veut dire ne pas suivre sa nature et suivre la volonté de Dieu. Et tu as le choix. Et dans ce choix, Dieu ne décide de rien. Dieu a décidé que tu aurais cette nature animale, oui, mais tu as aussi donné une nature nishmatique divine, et toi, tu as le choix entre les deux. Et dans ce choix, Dieu décide de rien. Il peut savoir à l'avance ce que tu vas faire, mais ce n'est pas parce qu'il sait que toi, tu agis. C'est encore un autre sujet, d'accord? Dieu sait, mais ça n'enlève en rien mon libre arbitre. C'est moi qui décide. Et ça, les anges n'ont pas accepté. Quoi? Dans l'univers d'Hachem, où Dieu est le maître incontesté, quelqu'un va aller décider par lui-même contre Hachem! Contre Hachem! Ça ne va pas! Mais il est clair que lorsque tu as un million de milliards d'anges qui louent Dieu, mais qu'ils ont été créés pour cela, et que le font de façon automatique, quelqu'un, d'accord, il s'aime beaucoup, il prend 10 enregistreurs et il dit « t'es génial ». Il les met en marche dans la maison. Partout où il va, il entend « t'es génial ». Bon, c'est un pauvre type, d'accord, t'es malade. Mais s'il va dans la rue, et dès qu'il passe, on dit « ah, t'es génial ». Ah, ça fait plaisir, pourquoi? Parce que les gens ont un libre arbitre de penser qu'il est génial ou pas, et disent qu'il est génial. C'est-à-dire que des fois, ils se trompent complètement. D'accord? Ça ne veut rien dire. Mais chez Hachem, maintenant, quand il y a quelqu'un qui a un libre arbitre, l'être humain, et il est attiré par des choses négatives, et il est quitte dans son libre arbitre pour aimer Dieu,
pour faire la volonté de Dieu, pour être un serviteur de Dieu. Combien, et loue Dieu, combien ça vaut cette louange extraordinaire, extraordinaire. Donc Dieu leur a dit, fermez-la, je sais ce que je fais. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de mal, c'est vrai qu'il va se révolter, mais il y aura quelques-uns qui vont quand même me louer. Pas que Dieu a besoin des louanges, mais quand il nous donne à nous l'occasion de faire des louanges, bon, on parle de beaucoup de sujets profonds, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire cela? D'accord, aurait besoin, il n'y a pas de besoin. C'est par bonté pure qu'il veut nous donner l'occasion fantastique de pouvoir connaître Hachem, le louer, le remercier. Et ça, quand on le fait, vu qu'on le fait avec un libre arbitre, ça a une valeur. C'est à peu près ça qui s'est passé aussi au Mont Sinaï. Lorsque Moshe Rabbeinu monte pour prendre la Torah, les anges ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne la Torah au peuple d'Israël, alors il donne aux sages d'Israël une capacité de décider les lois de la Torah. Ce qui est renversant. Et d'aller quelque part même contre Dieu par la Torah, et Dieu accepte. Comme raconte le Talmud, traité Bava Metzia, page 59, je me souviens bien, à l'époque, une grande discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur Tanuro Shel Achnai, un four de serpent. Qu'est-ce que c'est un four de serpent? À l'époque, les fours étaient faits en terre cuite. Maintenant, si une impureté a touché le four de terre cuite, il devient impur. La terre cuite, on ne peut pas le prendre. Si c'est un four qui est fait, par exemple, de fer, de cuivre, on peut le tremper dans le mikvé, il ressort, il est pur. Mais la terre cuite, on ne peut pas la purifier au mikvé, on ne peut que la casser. Alors, il y en a qui ont eu une bonne idée. On va prendre ce four-là et on va le couper en lamelles. Donc, il est cassé, terminé, il est pur. Et après, on le reconstruit. On met du ciment, tac, on met une lamelle, hop, du nouveau ciment, une lamelle, on reconstruit le four. Il y en a qui disent, c'est bon, c'est un nouveau four, ça va. Mais c'est pas un nouveau four, c'est le même qu'avant. Qu'est-ce que ça change? T'as coupé, t'as remis. Donc, ça, l'impureté qu'il y avait, elle est revenue. L'autre dit, mais c'est un nouveau four, désolé, c'est pur. Discussion, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, qui dit quoi, je ne me souviens plus. Et commence discussion entre ces deux grands sages d'Israël. Rabbi Eliezer, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, pas n'importe qui. Rabbi Eliezer, Gadol, le premier rabbin qui est cité dans le Talmud, et le seul qu'on appelle Gadol. Mais il est seul par rapport aux sages d'Israël. Et Rabbi Yoshua, tous les sages d'Israël sont d'accord avec lui. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison que cette rivière s'arrête, repart dans l'autre sens. La rivière s'arrête, repart dans l'autre sens. Boucha lui répond, on n'amène pas des preuves de Torah par des rivières. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce carubier, c'est un arbre, se lève, déplace, hop, va se faire planter là-bas 400 mètres plus loin. On voit le carubier qui se lève, et il se replante là-bas. Rabbi Boucha dit, on n'amène pas des preuves de carubier. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que les murs de la yeshiva commencent à tomber. Les murs commencent à tomber. Rabbi Yoshua dit, halt, c'est pas votre affaire. Les sages d'Israël sont en discuter, c'est pas votre affaire. Et depuis ce jour, les murs de l'Eshiva sont penchés. C'était chez eux à l'époque. Parce qu'ils se remettaient, c'est manque de kavod pour Rabbi Yoshua. S'ils tombaient, manque de kavod pour Rabbi Eliezer, ils sont restés moitié-moitié pour faire du kavod à tout le monde. C'était des murs bien éduqués, Baruch HaShem. Et Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix descend du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Une voix descend du ciel, bat de col. Et dit, Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua, il dit, on n'amène pas des preuves de voix du ciel. L'alakha, la Torah, elle a dit, on fixe l'alakha d'après la majorité, on est majorité, tu es seul, c'est nous qui avons raison. Et comme ça, l'alakha a été fixée. La Gemara pose la question, et Dieu, à ce moment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en souriant, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Il a souri, ce qu'il voulait. Il a donné la capacité aux sages d'Israël de fixer la Torah, la voix du ciel dit le contraire. Non! T'imagines un peu les biceps qu'il faut pour une chose pareille, les enjournées. On ne peut pas accepter une chose pareille. Quoi? Tu vas contre Dieu? Une autre histoire phénoménale. Traité Sanhedrin, page 104. Les sages d'Israël se sont posés la question, est-ce que, dans ce chapitre, ce dernier chapitre de Traité Sanhedrin, on parle là-bas des gens qui ont part au Olam Haba et ceux qui n'ont pas part. Et là-bas, on cite quatre rois. Quatre rois qui n'ont pas part au Olam Haba. La Gemara, elle dit, il y a un cinquième que les sages d'Israël ont voulu ôter de Olam Haba, c'était Shlomo Amer, le roi Solomon. Parce que dans ses écrits, il y a des choses qui avaient l'air un peu bizarres. Et s'il dit des trucs bizarres qui ne sont pas d'après la Torah, zip, dehors! L'Agmara raconte qu'à ce moment,
un feu est descendu du ciel, a commencé à brûler les sièges sur lesquels étaient assis les sages d'Israël. Et dit dans le, ils ont dit au ciel, ça va, nous on fait ce qu'on, c'est nous qui décidons, arrêtez ce feu. Le feu s'arrête. Ils continuent à dire oui, non, tout à coup ils voient devant eux une silhouette d'un roi, le roi David, qui est venu du paradis, qui leur dit, je vous en supplie, je vous demande, n'ôtez pas mon fils Salomon, du roi là-bas. Bon, ils n'ont pas accepté. Pour finir, ils ont dit, ok, ça va, on peut. Ils ont accepté et le roi Salomon fait partie de l'Olam Haba. La question se pose. À l'époque du Talmud, quand ce texte était écrit, quand les sages d'Israël sont réunis, d'accord, Salomon, ça faisait déjà 1000 ans qu'il était au Olam Haba. Il est là-bas, au Olam Haba, au paradis. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Et qu'est-ce qu'il en a à faire son père, le roi David? Et qu'est-ce qu'il en a à faire dans le ciel d'envoyer un feu que les sages d'Israël sur terre disent qu'il n'a pas. Il n'a pas parole là-bas. Qui dit ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il est au Olam Haba, il est avec Dieu, il est en train de dire le Torah, Salomon, le roi Salomon. Quelle Torah est là au Olam Haba? Extraordinaire! Il y a un paradis, du paradis, du paradis. Si moi j'ai 1 millionième du paradis de roi Salomon, je suis le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Réponse, il en a à faire. Parce que s'il est au paradis, proche de Dieu, avec le roi David et Moshe Rabbeinu, etc., et les sages d'Israël disent que tu n'as pas parole au Olam Haba, ils le prennent, le mettent en enfer. Alors le feu descend du ciel, le roi David vient supplier la puissance des sages d'Israël. Phénoménal. Ça, les anges n'ont pas accepté. C'était ça qu'ils disent, que je ne comprends pas. C'est vrai que c'est démentiel. Comprenez, messieurs, quel avantage vous avez de devenir un sage d'Israël? Muscle postérieur, étudier la Torah, prier avec Havana, avoir des bonnes midotes, comme ça on devient plus haut que tout ce qui est possible et imaginable. Le Razonich, il dit... Il y a des titres de personnes. T'as un tzaddik, t'as un chassid. Il dit, c'est quoi la chose la meilleure, le titre le plus grand, le plus extraordinaire qu'on peut donner sur Terre à un être humain? C'est quoi? Mieux que le prophète. Mieux que le prophète. Beaucoup mieux que le prophète. C'est quoi, monsieur? Hein? Sage. C'est quoi, sage? Talmid chacham. Un talmid chacham. Un sage d'Israël, un érudit en Torah, un vrai Talmid Chacham, pas un tordu, d'accord? Il dit que c'est la chose la plus haute qu'il puisse y avoir dans la réalité humaine possible et imaginable. Et c'est dans vos mains, messieurs. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.